Bon, du coup, les amis, ce qu'on va faire, c'est que je vais tranquillement. En fait, on va regarder un petit peu, peut-être. Je sais pas si on va faire un petit débrief, mais peut-être un petit peu, je pense. On va faire un petit débrief de l'event. Non, non, casse-toi là. Non, 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 non. Je ne veux pas te. Toi, je ne te veux pas. Je ne veux pas te voir. Alors déjà, l'event, on a eu beaucoup de coupures. Attends, diffusion récente. Oh putain de merde. Attendez, là on a fait une partie, deux parties, trois parties, quatre parties, cinq parties, six parties, sept parties, huit parties, neuf parties. Donc si vous comptez bien, ça fait huit coupures de co ou de d'internet. Mais au calme. Au calme, au calme, au calme. Putain, vraiment, j'ai juste envie de voir un peu. J'avoue que j'ai pas du tout regardé. Vraiment, je m'étais pas entre guillemets spoil hein, sur tout ce qu'on a fait, mais bon. Putain. Non, vraiment, c'était fou. Je dis ce que tu veux, oui, tant que. Mais moi, je ne peux pas chanter. Moi, je ne sais pas chanter en fait. Je ne sais pas chanter, c'est plus ça le problème. J'ai eu une période difficile où je sifflais la mélodie de Je suis un caillou. Putain, mais je vais vous la remettre dans la tête, hein, je vous le dis. Hein. Je vous l'ai dit, je vous le dis, je vais vous le remettre dans la tête 100%. Hein. Non mais là déjà ça avait pété son crâne là, on avait les amis une demi-heure d'event. Non mais les amis, on avait même pas fait une demi-heure d'event, on était déjà à 368€. En fait vous avez déjà explosé les. Non mais vous rendez compte, attendez, une heure d'event 500 balles. Ça va vous? Non mais une heure d'event 500€. Une heure d'event 500€. On peut en discuter ou c'est comment là? Il y a même pas 15 minutes. Du coup, ah ouais t'es... attends. Mais du coup c'était tu restais pas que le dimanche? Non mais vraiment c'était juste la dinguerie. Attends, on était déjà en cosplay et tout. Là c'était Croze, dédié au Croze d'ailleurs qui m'a ramené big up au magnifique pilote. Non franchement c'était ouf. Là en vrai on était, là ça se voit on est encore bien là. Là on est encore on fire avec le petit caouche derrière là. Là ça se voit on est encore on fire, on commence déjà en plus à faire alors wow, alors non. Alors il y a des choses qu'il faut pas forcément voir hein. Des moments je me sens un peu con mais c'est pas grave. Ah oui, et là je faisais des ah oui, putain, je faisais mes pierre feuille ciseaux là, bordel. Sympa les coupures. Wow, bon, j'ai envie de dire c'est pas si grave. Ça aurait été mieux sans coupure forcément parce que tu vois indirectement bah les gens qui étaient en lurk, ça les foutait plus en lurk. Mais bon, c'est pas grave hein. On peut faire des miracles. C'est vrai qu'avec beaucoup d'autotune, ouais. Il y a moyen de faire un petit truc sympa quoi. 3h on avait les 1000. Putain, ah ouais, en 3h on avait les 1000. Putain, déjà on est à 646, tu vois, c'était explosé, genre on était juste beaucoup trop chaud là. Vous avez tout cassé. En vrai là, ça va. En vrai là, on faisait juste la discussion et après là, il y a eu la grosse première VOD. Bon là, de toute façon, vous avez vu. Ah ouais, putain. C'est vrai que là on faisait le Gangnam Style là. Alors là, heureusement, en gros pour vous expliquer, vous avez Disco Devly. En gros, qui est un petit peu, c'est un partenaire Ubisoft. En gros, qui est à fond dans la commu Just Dance, donc qui va en convention faire du Just Dance, etc., animer des scènes. Et vraiment, il est trop chaud. Et en fait, du coup, heureusement qu'il était là, parce que c'était lui qui nous donnait les pas. C'était lui qui nous disait, ok, bon, vous faites 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et moi, j'étais devenu comme un ouf. Et j'avais tout compris. Grâce à lui, j'avais tout compris. Et en vrai. C'était. Alors bon désolé là. Tout était en 3 FPS. Vous me voyez. Après je crois qu'on me voit plus parce qu'il y avait. Mais normal, moi je me fais cacher par deux T-Rex. Bien sûr. Bon c'était un peu. En vrai c'était un petit peu dommage là. La WebM elle en pouvait plus, elle était en 3 FPS. Salut Neil, coucou à toi, bienvenue. Comment tu vas, ça bien remise de tout ça ou pas? par contre, tu as tapé vraiment dans l'œil du cringe pour que le live principal soit toujours sur toi. Mais j'avoue que j'ai même pas regardé le cringe. Genre, j'ai. Bah, en vrai, il y a Jonathan, du coup, qui est un peu le responsable de l'event, qui m'avait dit ouais, franchement, ça fait trop plaisir de voir quelqu'un qui juste a gueulé toutes ses tripes, mais au calme. Moi, j'ai l'impression d'avoir plus fait chier les gens qu'autre chose, mais bon, c'est pas grave, hein. J'ai envie de vous dire, c'est pas dramatique, hein. Mais bon, ouais, j'ai plus l'impression d'avoir fait chier les gens. Mais bon, apparemment, selon lui, j'ai motivé les troupes. Donc, si ça motive le fait de gueuler, écoutez, moi, je ne dis pas non. Moi, si je vais te payer 500€ à l'heure, mais si jamais je devais toucher sur mon compte. Ah si, j'ai eu cours depuis... Ok. Du coup, ça s'est bien passé, ta fin de week-end, t'as kiffé, Muggle.
Et ouais, et là on avait les 1000 balles. Putain, on avait les 1000 balles au bout de au bout des 3 heures d'event, on avait pété notre crâne. Du coup là on avait fait le magnifique petit tirage et into Trackmania, Mario Kart. Pourquoi je dis Trackmania? Donc là je sais plus ce qu'on faisait. Cela, on était sur Mario Kart. Bon, on n'avait pas fait un très bon résultat, mais bon, dur la fatigue. Moi, bon, en vrai, ça va. Ça commence un petit peu à revenir. J'avoue que la fatigue, là, j'ai un rythme de merde. Genre, j'ai dormi deux fois 12 heures les nuits suivant Bird of Prey. Mais bon, maintenant, on va dire que ça va mieux. Déjà, j'ai récupéré la voix, donc c'est cool. Et sois fier de toi aussi, Neil. On n'a pas eu le temps aussi. Pareil, je disais tout à l'heure, parce qu'il y a Saucisson Nature qui est passé, qui a raid. Mais trop déçu de ne pas pu avoir discuté avec certains, parce que le temps est passé tellement vite, c'était horrible, bordel. C'était horrible, j'ai l'impression que le temps est passé tellement vite et pas eu l'occasion de discuter avec tout le monde, donc bon. Ah, arrête, qui dit arrête. En vrai, j'avoue que il y a un petit level, parce qu'en fait, nous, chez nous, on joue tous les mardis. Tous les mardis, c'est tourné à Mario Kart et il y a des bons niveaux chez nous. Mais tu te débrouilles bien, qui dit vrai level, il y a un moment où j'ai eu peur, hein, j'ai eu peur. Ça te va bien le costume Luigi? En vrai, j'avoue, il était stylé, j'aime bien. Il était stylé avec la petite moustache et tout là. J'avais mis les petits plats dans les grands. Là, il y avait Termis d'ailleurs aussi adorable. Il y avait qui d'autre? Du coup, après voilà, il y avait du coup Disco Devly. Voilà, vraiment un amour. En fait, il y avait que des amours sur ce. Non, mais faut dire les termes. Hein. Il y avait que des amours dans cette salle. Et vraiment, c'est trop cool à chaque fois de discuter avec chacun. Franchement, c'était juste beaucoup trop cool. Là, après, il y avait Hammer Kick aussi avec qui on a fait un petit smash. Vraiment super gentil. Vraiment pareil. Juste rien à dire. Là, il y avait le concert de Kroos. Putain, il y avait des blèmes techniques. Et moi, dites-moi, oh oui, putain. Durant tout l'event, j'étais en chaussettes. Alors déjà, j'avais deux chaussettes droites. Et du coup, j'ai couru dans tout le cringe pour aller le rattraper, bordel. Mais je savais pas que j'avais été sur le stream. Enfin, on y regardait le stream, la rediff du cringe. Je sais pas, j'avoue. Mais apparemment, il y avait pas le son, non? De ce que j'ai compris. Pouip, 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 pouip. Attendez, parce que du coup je me suis perdu. En tout cas, putain, cette émote choupie, elle est vraiment cool. Attends, mais d'ailleurs, est-ce que j'ai lâché un follow? Non, putain, si j'ai lâché un follow, putain, ça va, je suis pas si honteux que ça. Ça va, ça va. Là, je suis content, aujourd'hui j'ai assisté à la masterclass d'une directrice de casting. De directrice de casting, à quel sujet me gueule? Ouais, MGA, c'était chaud. Mais en vrai, ça va, il y avait un bon petit level aussi. Il y avait d'autres personnes, il y avait. Non, franchement, c'était cool. C'est cool de voir des nouvelles personnes aussi sur les tournois. Alors, je sais, ah oui, c'est vrai qu'on regardait. Là, c'était pendant que je mangeais là. On regardait une vidéo en. Putain, on regardait la vidéo de Pac-Man alors que ça full buguait, bordel. T'as fait ta meilleure perf en event. T'es plus décevant à Bordeaux. Faut que. Quoi? Faut que tu. Tu sois en event, ok. Mais en vrai, je sais même pourtant, je me suis pas tant focus que ça. Mais j'ai fait quoi? J'ai fait 3ème, non? Mais j'avoue que j'étais meilleur en event qu'à Bordeaux, quoi. Béant, ça. Alors que là, tu vois, je suis dans. Tu sais, je suis bien posé dans tout ça. Tu sais, je suis dans. Je suis dans mon. Tu sais, je suis dans mon environnement là. Alors que là-bas, tu sais, il y avait du bruit de partout et tout. Genre, tu sais, t'es pas habitué. Genre, j'avoue qu'au début, j'étais un peu gêné. Genre au début, tu sais, quand le stream s'est lancé, j'étais très tranquille. J'étais pas aussi foufou parce que j'avoue, tu sais, il y avait les gens à côté. Mais après, j'ai fait bon, en vrai, écoute, c'est pas si grave, hein. Et j'avoue qu'après, j'ai fait sortir la bête qui était en moi. Et en vrai, c'est que c'était cool. Mais bordel, c'est vrai que ça change tellement et c'est tellement impressionnant de streamer à côté des gens. Mais en même temps, c'est trop cool. C'est l'heure du pavé, le buff. J'ai déjà levé le 29, Golden. Mais toi, t'es comme moi, toi. Toi, Golden, t'es comme moi. Ça lurk énormément aussi, hein. Coucou, Calixa, comment ça va? Et du coup, Lily, elle vient où de la rêve de Choupi? Elle vient d'où exactement? Pourquoi tu as une émo de Choupi? Je veux savoir. Je veux l'envers du décor. Non, il y avait pas de son, bon. Beau gosse, Luigi. Arrêtez. Non, mais c'était Luigi into dresseur Pokémon, into ma caméra est raciste, elle fait le focus sur l'arrière-plan et pas sur moi. Ouais, c'était vénère, hein. Hey, oh là là. Puis ça aussi, c'était vraiment cool, ça. Ça, vraiment, je pense que un de mes meilleurs moments de l'event... Je pense que c'est vraiment le concours d'anecdotes avec Kroos. C'était vraiment
insane, j'ai trop kiffé. Bon après un moment que j'ai kiffé aussi c'est quand Xaeli me lançait des confettis, elle était en mode voilà, elle était en mode attends, oh il y a Hervé qui a fait un don, hop là, tiens tout le sac de confettis. Ça aussi c'était cool ça. Et mais trop spam la musique dans mon chat. Ok. Bon ça vaut le coup alors, mais il est très mignon ouais. Il a une belle tête ouais. Non mais Choupi j'aimais beaucoup quand j'étais petit hein, j'aimais beaucoup. Ça va, tu vas bien remise de tout ça. Donc tiens vraiment soyez fiers de vous hein. Je disais du coup tout à l'heure aux streamers il y avait Poupoun, Saucisson et oui et c'est tout. Je leur disais mais juste soyez fiers de vous et bref du coup soyez fiers de vous, je le redis c'est important quoi. C'était quand ça, j'ai pas vu de quoi Oxy quand on a regardé la vidéo de Pac-Man. Ça c'était quand on mangeait ça. Attends et après ah oui putain merde. Oh ça c'était dur ça. Ça 21h du coup qu'est-ce qu'on fait 21h big rasage là miam. Oh putain. Non mais ça faut dire les termes ça. Ça on va dire les termes mais là je vous assure que j'étais pas serein là. Attends merde on est où là. Putain mais quel. Oh là là. Et ça là je vous le dis là j'étais vraiment pas du tout serein. Mais quand même c'est drôle en vrai. C'est quand même super drôle de voir ça. Non, franchement, en vrai, c'était super drôle. Mais sache que j'ai retrouvé du coup des confettis dans ma valise. Et le pire, parce que, bah, vas-y, ici, on est en toute transparence. Hein. Putain, quand je suis rentré, que je suis parti à la douche, j'avais des confettis dans le calbar, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils foutaient là? Je ne sais pas. Mais au bout d'un moment, c'est trop, quoi. C'est bon, c'est trop, frère. Ils sont venus squatter dans mon calbar, enfin bref. Du coup, les toilettes sont venues. Oui, exactement. Ah non, après le piment, après les confettis, oui. Non, mais parce que, vrai, c'était laisser les toilettes comme elles étaient. J'ai foutu des confettis partout dans les toilettes. Ah, vraiment, genre, quand je vous dis qu'ils aimaient squatter mon calbar, c'est que vraiment, en vrai. Non, en vrai, ça va. J'avoue, Benji, j'ai eu un peu mal au bide le matin. Il y a un moment où j'étais pas très serein, mais ça va. En vrai, au calme, le piment. Ça va. Les cailloux, plus forts que ça, quoi. C'est totalement vrai. Ah oh, mais non mais c'est vrai. Non, Princesse Ina. Toujours remettre la faute sur les viewers. C'est très important. Du coup, Xali, ça va bien reposer. Mais d'ailleurs, on est d'accord qu'on prononce bien comme ça ton pseudo. Parce que j'ai toujours eu une. Mais on prononce bien comme ça, j'ai pas envie de dire de bêtises à chaque fois. Je sais pas, parce que tu sais, ça peut être en mode. C'est un peu en mode de. Chaily, tu sais, en mode, je sais pas. Yeah, ouais. Bref, ou t'as capté. Hein. Oui, non mais on sait jamais. Du coup, ça va bien reposer. Parce que vraiment, t'en avais dans la réduc. Oh, y a moyen. Il y a moyen, mais faut pas le dire, ça c'est un peu intime là, les petits. Putain. Et là, tu sais, je sens la guerre. Tu sais, je sens la connerie que j'ai faite là, putain. Bah alors, non, mais c'est pas ma faute si les confettis ils ont squatté mon fiac, frère. J'y peux rien. Oula, vous avez fait quoi avec Kawouchi avec ses confettis? Mais rien du tout. Moi, j'ai juste failli faire un arrêt cardiaque, 2, 3 arrêts cardiaques, 4, 5, je ne sais pas. Mais au calme, hein. Mais juste voilà, j'ai foutu des confettis dans ma douche et partout dans les toilettes du Krige. Donc si jamais Jonathan tu passes par là, je m'excuse, c'est moi qui ai mis les confettis partout. Mais je me posais la question, comment ils se sont retrouvés dans mon pantalon, frère? C'est trop aussi. Au bout d'un moment là, putain. Oh c'est trop. Spartacus, comment il va celui-là? Ou quoi toi? Bon appétit Julien, bon appétit à ceux qui vont manger bien sûr. J'ai bien commenté. Moi j'ai lâché deux nuits de 12 heures. Mais en fait on est rentré dimanche soir avec Croze et Lily en voiture. Croze le pilote. Ah le giga pilote Croze _ officiel. En fait au début j'étais en mode ouais t'inquiète mon gars. Et je vais te mettre bien en copilote. Je vais être là avec toi, on va discuter. Bon. Au bout d'une heure, il y a eu un petit souci quoi. Au bout d'une heure, une heure et demie, j'ai fait une sieste technique de une heure. Et après non, ça va. Je suis resté avec lui de toute la fin du trajet. Hein, mais bon, tu m'as retrouvé encore, c'est sûr. Mais en fait, il y en avait plein dans ma valise. Il y en avait, mais ça va. Là, il faut juste que je passe l'aspirateur. Là, il faut juste que je passe l'aspirateur. Coucou Nina. Ouais, trop fort, trop fier. Merci à tout le monde. Hein. Faut tout le monde peut être fier de soi parce que vous êtes trop fort en fait. Genre vraiment vous avez explosé les cagnottes là. Vous vous rendez compte que là on était à quoi? On était à... Il était 21h là. Ça faisait 7h d'event, quasiment 2000 euros. Vous avez pété votre crâne en deux là.
Ok, je garde ça dans un coin de ma tête, ça me sert à... Il y a possibilité. Il y a possibilité, Ina, il y a possibilité. Bon, j'avoue, deux ou trois fois, j'ai demandé à Kavouche de lancer les couvertures, toi. Non, non, mais vas-y, c'est pas grave. Si t'as fait un don Spartacus et que tu l'as demandé, ça va. Ça va, ça va. C'est comme, en vrai, c'est comme pour Xaili, tu vois. Dès qu'elle me lançait des confettis, c'est parce que je savais qu'il y avait des dons. Et en fait, moi, ça me va. Tu vois, moi en vrai ça me va. Tant qu'il y a des dons derrière, moi ça me va. Tant qu'on récolte de l'argent pour l'assaut, moi ça me va. Vas-y, j'ai sursauté de fou. Non mais les canons à confetti, parce que j'avoue que je voyais pas. Moi je suivais pas trop la cagnotte globale. Enfin, il y a des moments je regardais pas trop les cagnottes. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des moments au bordel. Oh, j'ai sursauté à balle. Hein. Oh, c'était compliqué. Hein. Pauvre creuse, une chaise technique. Non mais ça va, t'inquiète, tout s'est bien passé. On est rentré en vie, tout ça. Et on avait mangé un petit BK en plus, il y avait une aire d'autoroute, il y avait un BK, j'étais en mode d'accord. Ça marche à toutes, Zoruya, bon app. Faisait péter, ouais c'est ça, il faisait péter des canons à confetti tous les 1000. Et en gros Kavouche, pour ceux qui connaissent pas, déjà n'hésitez pas à aller voir tous les streamers de l'event bien sûr. Hein. Mais Kavouche est juste derrière moi, voilà. Il est juste derrière moi. Et allez, j'ai un petit souvenir avec lui, hop là, c'est une petite... Alors merde, vous la voyez, alors... Ah ouais, putain, merde, j'ai pas d'autofocus là-dessus, là. Bon, voilà, c'était la petite... Alors, elle est vraiment dégueu, je l'ai reposté en story Insta. Là, vraiment, elle ressemble à rien. Je ressemble absolument à rien, bordel. Faut dire les termes, je ressemble à rien. Ça marche, c'est pas tout si robot soit bien me gueule. Des bisous. On va retrouver des confettis dans les poumons. Sous, j'en ai grail, hein, qui sait, on sait pas. Hein. Ouais, j'ai trop donné... Non, mais... Est-ce que la banquière a appelé Spartacus, que le banquier ou la banquière on call en mode oui allô Avant de dire on avait déjà plus de 10k, mais ouais, mais c'était monstrueux hein. Et les 20k on les a passé pendant la nuit, non, je sais plus. Et merci beaucoup pour le lurk Neil, c'est gentil, merci beaucoup, merci à toi, passe une belle soirée et bon appétit à ceux qui vont manger aussi hein. N'hésitez pas à miam, important hein. Le focus est raciste sur les... mais oui, non, mais ça je c'est l'appareil hein, c'est le boîtier hein. J'y peux rien, hein, vraiment, je vais aller porter plainte. Hein. Je vais manquer de gus en sueur. Mais attends, mais c'est qui a lâché les 1000 chez Kavouche? C'est toi, Spartacus? Sur sympa, arrêtez. Des bisous, ma gueule, passe une bonne soirée. Du coup, tu regrettes d'avoir rasé ou pas? Non. Après, je vous avoue, je sais pas. En vrai, il y a un style, tu vois. Il y a un certain style, mais je sais pas. Je sais pas. Mais au moins, je l'ai fait. Et j'avoue que juste pour ma curiosité, je suis content de l'avoir fait. Parce que au moins, je sais à quoi je ressemble comme ça. En vrai, juste avec la moustache, ça va. Il y avait des gens qui kiffaient bien. Il y avait même des gens. En fait, il y a deux teams. Il y a les gens qui me préfèrent avec la moustache et il y a des gens qui me préfèrent avec la barbe. Mais en tout cas, les deux teams trouvent que c'est pas mal. Enfin, les deux que c'est pas mal. Et même là, juste sans la moustache. Enfin, juste avec la moustache, en vrai, c'est carré. Donc vas-y, en vrai, moi ça me bat, mais au moins j'aurais testé, donc je regrette pas de toute façon. Et dans tous les cas, c'est pour la bonne cause. C'est aussi pour ça, en vrai, c'est un truc que dans tous les cas, vas-y, j'aurais fait peut-être un jour, mais bon, là c'est pour la bonne cause, donc let's go quoi. En vrai, le book il était peut-être un peu moche, celui que j'ai fait quoi. Personne qui sait qui a donné. Ah ouais, mais non, mais jure, on sait pas qui c'est qui a lâché 1000 balles chez Kavouche. Mais non, mais débarre. En plus, je crois que sur le message, il y avait écrit test. Le matin, je crois qu'on a passé les 18 ou 19. Ah oui, c'est ça, c'est 18 ou 19 ou 18K, je crois. Ça, je crois que c'était les 18K pendant la nuit. De toute façon, moi, globalement, dites-vous. Attends, on était où là? Ah oui, et c'est là où on. Ah oui, putain, je me souviens, là. Attends, il s'est passé quoi là? Parce que, attendez, on va pas mettre le son, mais... Ah oui, putain. Là, c'était au moment même où... Putain, je sais pas si Termiz est là, d'ailleurs. Il faudra lui demander s'ils ont vraiment graillé la chips. Ça, c'est la chips la plus piquante du monde, en vrai. Je l'ai regardé un peu la flemme, là. Ah oui, putain, il y avait Sabrina qui avait 100 balles. Et après, je crois qu'il y avait... Putain, il y avait quoi? Il y avait qui? Attends, après on est passé à 2250 et après je me suis fait directement la stash mou là. Attends, il s'est passé quoi là? Bah attends, ah oui d'accord. Voilà, c'est du coup j'ai pas. Ah oui, et Sabrina qui avait relâché 100€. D'accord, donc c'est pour ça. Et après hop là. Et bon, et là du coup on était en mode chill détente avec oh. Ah oui putain, c'est vrai, on a twerk. Oh putain sa mère. Attends, il faut que je retrouve ça là. Faut que je retrouve le moment où je twerk du dos là, c'était pas très glorieux là. C'était Kavouche TV test.
Ah, le sacré message B. Non, mais c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ça fait plaisir. Ah, ça se trouve, après, c'est quelqu'un, tu sais, qui veut pas, tu sais, qui veut rester modeste. Hein. Enfin, possible. Merci beaucoup pour le lurk, Dracolos. Bon débrief. Encore merci pour ce week-end de folie. Mais merci à toi d'être resté. Si jamais t'avais pas vu Rock, j'ai mis pseudo pour les dispo. Oh, merci beaucoup, tu gères. Ouais, j'ai un peu regardé. Du coup, de toute façon, je vais m'en occuper dans la semaine, tranquillou. Pour tous ceux qui ont fait, tous ceux qui ont fait des dons de 20 balles ou de 50, ça arrivera sûrement fin de semaine. Les dédis spook et les petits dessins, vous enverrez tout ça par MP, vous inquiétez pas. Déjà j'ai envoyé. Oh merci beaucoup Spartacus. Merci beaucoup pour le sub. Oh là 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 là, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le T1, c'est adorable. Bienvenue, bienvenue chez les chez les cailloux, officiellement parlant. Oh là là, incroyable, coucou mes cabrif, comment tu vas? On arrivera au tour. Et merci beaucoup Spartacus pour le sub offert à Pepperoni. Oh là 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 là, merci beaucoup. Merci beaucoup beaucoup, c'est gentil. L'assaut devrait pouvoir retrouver qui est la personne qui a donné 1 000 € chez Kaouche. Mais c'est forcément quelqu'un de la commune, mais bien sûr. Mais 100% c'est quelqu'un de la commune, forcément. 100%. On saura peut-être jamais. Peut-être. En tout cas, voilà, sachez-le, en tout cas, je compte vraiment me garder au courant rester au courant de tout ce qui va se passer concernant les dons, etc., les actions de ce sorority. Enfin, on va essayer de. Je voudrais essayer d'être un petit peu à l'écoute, histoire de vous en parler, de savoir au moins où est passé toutes les donations. C'est important. Merci beaucoup, Spartacus. Merci beaucoup pour les 2 subs. C'est adorable. C'est très gentil, en tout cas. Actuellement 10 € sur mon compte, mais merci. Enfin, The Boss, après, en vrai, j'espère juste que tu te mets pas dans la sauce, quoi. Mais ça reste pour la bonne cause, sachez-le et ne l'oubliez pas, quoi. Ça reste vraiment pour la bonne cause. C'est comme on. De toute façon, les discussions que j'ai eues la nuit après, les discussions qu'on a eues chill de genre de 2h du matin à 5h, c'était que ça. On parlait de tout ça, on parlait justement de violence, on parlait de cyberharcèlement. Voilà, c'est des choses qui sont importantes, qu'il faut faire évoluer, et ça passe aussi par nous, parce que c'est bien, en vrai c'est bien aussi de faire des dons, tout ça, ça forcément ça aide à être l'avant pour les assos, mais il y a aussi, nous, il faut qu'on soit aussi des, en fait il faut que vous fassiez dans la vie tous les jours ce que j'ai fait ce week-end, c'est-à-dire propager un petit peu cette parole. Bon, ça fait très religieux, mais pas du tout, hein, vous avez capté. Genre, c'est important d'en parler, c'est important d'agir, c'est important justement de relayer les tips, c'est important d'intervenir et de parler, surtout de communiquer. Et c'est important de le dire aux gens, voilà. C'est tout ce que j'aimerais aussi vous dire, hein, sur ce week-end, c'est n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à dès que vous voyez des situations qui relèvent de l'injustice, n'hésitez pas à intervenir. Après, vous mettez pas non plus en danger, mais n'hésitez pas à intervenir. Vous avez plein de moyens et voilà. Et je veux en tout cas que si vous voyez une personne comme ça, vous puissiez lui donner les bonnes infos. Moi, c'est tout ce que je demande à la fin de ce week-end, c'est que vous ayez gardé tout ça en mémoire, parce que ça peut aider des gens et vous pouvez aider des gens. Et l'avancée en tout cas de ce combat, il se fait aussi par nous et par ce qu'on fait, nos actes au quotidien. Donc n'oubliez pas ça, c'est important. J'avais jamais entendu. Et en plus, c'est des petits trucs que j'avais fait moi. Je suis chauffé là. J'avais. C'est pas glorieux, mais bon, écoutez, j'ai envie de dire les petites alertes. C'est des petits cailloux et c'est moi qui chante derrière. Donc c'est beau. Merci beaucoup Spartacus, merci beaucoup pour les 2 subs, c'est gentil. Bienvenue en tout cas. Un petit peu, mais au calme, il y a la Kazen Line. Ah, le coup dur. Et du coup, à quand le comment il s'appelle, le salaire, il arrive, hein. Comme c'était, c'était fou. Vraiment, c'était fou. Pour la nuit, c'était super cool et de fou. J'ai adoré, hein. Oh putain. J'ai vraiment genre giga adoré parce que c'était fou. C'était vraiment, on regardera tout ça après, hein. Bon, est-ce que... je sais pas ce qui se passait là. On est là. Ah oui, ça parlait de leur trajet dans la... leur trajet galère. Et là, oh putain. Alors là, c'était ce qu'on avait à manger. Et avec tartiné, voilà. Tu vois, tu tartines de confiture. Non, c'était tartiné de magnifiques petites purées de piment là. Miam. Alors là, il a kiffé là. Alors regardez sa tête là, il a kiffé de fou là. Bon, et après, est-ce qu'on a ma dernière anecdote ou pas?
vite fait là. Voilà. Donc là aussi pareil, hop là, on graille des grosses cuillères de piment là. C'était super. Ah, vraiment c'était super là. Les big cuillères de piment légende là. Si jamais c'est les Orange Day dans plein d'écoles du supérieur, c'est une semaine de sensibilisation des violences à l'égard des femmes. Si les gens veulent se renseigner, c'est le moment. Ok, je connaissais pas du tout Alerte au Sushi. Je savais pas du tout. Et c'est fait par quoi? C'est proposé par l'État? Ou justement c'est proposé par certaines écoles, on va dire. Certains groupes d'écoles en tout cas. Attends, est-ce qu'on peut... Mais c'est bien en tout cas, c'est beau d'avoir ce genre de comment dire, de pas de concept, mais en tout cas d'engagement. Oh putain, attendez la gueule que j'ai. D'engagement en tout cas auprès des jeunes, c'est important. Là, je bouffe, mais là... miam, 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 putain. Là, ça se voit... Hey, là, j'ai kiffé. Là, j'étais en train de kiffer de fou. Hein. J'ai cut à des moments stratégiques. Oh, let's go. Bah, en vrai, ce serait parfait, Benji. Tu sais, c'est de cuter genre chaque... T'es genre en mode de chatting, machin, de Switch Sport, Mario Kart, concours d'anecdotes avec Rose, putain, et ça va être vraiment trop cool. Je vous la mettrai en VOD d'ailleurs. Les amis, je vous mettrai en VOD tout ça. N'hésitez pas si vous voulez à la chaîne. Vous avez la chaîne principale qui va revenir active prochainement, et ça fait deux mois que je vous le dis, mais au calme. Et la chaîne de replay, donc ça sera tout disponible sur la chaîne de replay, donc n'hésitez pas à aller vous follow à la chaîne de replay. Très très important, mais bientôt aux 200 follow sur la chaîne de replay. J'ai toujours les stress de... Je sais pas, j'ai toujours envie de fermer les fenêtres et tout. Bref, après, alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais plus. Ah là, ouais, ok, là, ça cut. Donc là, ça cut, si je dis pas de bêtises. Bon, là, ça va recut aussi. Là, ça va recut aussi. Et là, du coup, c'est le DJ set. Bon, là, c'était quand même une galère absolue. Putain, j'ai aucun souvenir. Vraiment, il y a des trucs où j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. De ce qui se disait. C'est revenu, je crois. Mais en fait, c'est vraiment juste des micro-coupures et ça serait tout seul, en fait. Ok, ouais, non, c'est juste micro-coupures, ok. C'est juste les micro-coupures, c'est pour ça. C'est pour ça. Ah ouais, et là... Mais du coup, il y a tout qui est... Alors dans ma tête ça rendait beaucoup mieux que ça. Dans ma tête ça rendait un petit peu mieux que ça, mais en vrai c'est cool hein. C'est cool, c'est cool. Non mais non, en vrai c'était cool, franchement c'était bon délire. Le DJ set était vraiment sympa, j'ai bien kiffé en vrai. Et même en vrai, c'est des trucs qu'on fera peut-être à l'occasion, de temps en temps, pour des petits événements. Le salaire dans deux semaines. Putain, mais je suis désolé du coup, The Boss, je suis vraiment désolé. En vrai, ouais, c'est... vous mettez pas non plus dans la sauce, les amis, bien sûr. Si je suis de l'ONU, mais je sais que toutes les écoles du groupe Sorbonne, même hors fac et hors Paris, je suis l'initiative. Mais c'est bien, c'est important, il faut que... Bah, en fait, que c'est en faisant tout ça, tu vois, l'air de sushi, enfin, même par rapport à tout le monde, hein. C'est en faisant tout ça, c'est en faisant des petits events par-ci, par-là, que justement, on va faire avancer tout ça, et c'est beau. Putain, je m'amusais vraiment, hein. Je m'amusais vraiment à tapoter, justement, ma light sur le téléphone, hein, que j'ai loupé quand je me suis endormi. Mais surtout qu'en plus, tu vas pas pouvoir tout revoir, parce qu'il y a des moments qui sont bloqués, Lolo. Bah, désolé, malheureusement, mais bon. Ah, on n'a pas vu le twerk, j'avoue. Oh putain, attendez, le twerk. Ah si, moi je vais vous montrer le twerk. Non, c'est pas ça. Merde, non, je veux vous montrer le twerk. Mais je sais pas quand il était le twerk. Attendez, il était quand le twerk? Quand était le twerk? Je sais pas du tout. Attends, mais il faut que je retrouve ce twerk. Putain, attendez, il est où le twerk? Putain, mais il est où ce twerk? Non, mais est-ce que vous vous souvenez de moi qui twerk? Twerk VOD3, VOD2? Ouais, là, je suis sur la VOD2. Mais du coup, après, je sais pas quand c'était. Ah, vous dansez de fou, hein, Nefers. Eh, vous avez enjaillé le dance floor, hein.
vous avez été vraiment de fou, hein. Voilà, vous avez géré de fou, hein. Alors, rien de dire sur ça, franchement, les meilleurs danseuses et cailloux. Coucou mon Siam, comment ça va mon Siam? Comment tu vas? Ça marche, des bisous The Bosque, des bisous. Merci beaucoup pour le lac, c'est gentil. Alors, attends. Mais on va le trouver. Non? Ah oui, putain, c'est trop cool. Mais je pense, en vrai, vraiment, le... C'est con, hein, mais... Le duo était vraiment banger, hein, je pense. Mais du coup, ah oui, il y avait Spook. Alors ça, en gros, pour ceux qui savent pas, j'ai une caméra chez moi. Et du coup, voilà, pour espionner mon chat. Je suis très bizarre, mais c'est important. Est-ce que... Mais attends, mais c'est quand est-ce qu'on twerk, là? Quand est-ce qu'on twerk? Là, ok, c'est qu'on disait que la caméra était raciste parce qu'elle faisait pas le focus. Là, Hugo qui donne 2€. Et coucou Zoé, comment tu vas? Hello. Putain, non mais c'est fou. Mais je veux juste voir quand on twerk là. C'est quand qu'on twerk là? Quand est-ce qu'on twerk? S'il vous plaît. Je Non mais alors c'est pas fameux en plus, hein. Vraiment, c'était vraiment bancal de faux. Je donnerai des cours, hein, car ça va pas du tout. Attends, il y en a beaucoup. Il y a tant de personnes que ça qui ont vu le twerk. Mais en tout cas, je pense que ce duo là, vous le verrez très prochainement. Et en vrai, ce qui est trop cool, c'est que du coup, en vrai, c'était un cas où je savais qu'il était de Bordeaux avant l'événement, mais du coup, ça a permis de discuter avec lui et tout, passer du temps avec lui, vraiment, genre, une trop trop belle découverte, Kavouche. Franchement, du bal Cross, je le connaissais déjà. Donc, en vrai, il y a des très belles choses à faire sur le Twitch Game bordelais, je vous le dis. Il y a vraiment des très très belles choses. Et Lily aussi, qui est de Bordeaux d'ailleurs. Donc, en vrai, il y a des très très belles choses à faire sur le Twitch Game bordelais, et je suis content. Ah oui, putain, c'est. On avait tous notre petite feuille là d'ailleurs. La mienne elle a un peu pris tarif, mais elle est toujours là. Bon, c'est quand qu'on twerk là? C'est quand qu'on twerk? Ah oui, oh putain. Ok, c'est maintenant. Ok, bon alors, le twerk. Je débauche enfin. Bon alors du coup c'est soirée repos. Demain tu bosses mon Siam ou t'es en off? Merci aussi pour les level up les copains. Ah le twerk now. Ah ouais, c'était... vraiment toi tu... Non mais en vrai, vas-y. C'est sur moi, hein. Ah mais y'a un truc, j'ai pas vu ça. J'avais pas qu'il y avait un truc là, c'est bon, mais... Non mais attendez, c'est gênant. Là je me sens pas bien là. Bah oui frère. C'est ça la vie. Ah, c'est en plus il va twerker sur moi, hein. Vous savez, moi j'aime bien mon... J'ai bien son cul. Putain mais attendez là, Quoi Allo Cross, Cross, ça bug. Bah t'es le cul là, c'est... Tu te sens sexualisé? Ah putain. Oh j'ai envie de mourir. Ah j'ai envie de... Genre, faut qu'il y ait un mouvement, tu sais, faut... Non regarde, non en vrai... Ouais tu m'as vraiment twerké dessus. Non mais en vrai, tu sais, faut qu'il y ait un mouvement. Lui c'est le boss. Non c'est bon. Il était trop chaud. Oui, il y a Geekloliette, oui. Mais du coup, en gros... Un streamer bordelais que je connais, du coup, Croz, il y a aussi, du coup, Kaouche, Lily à côté, il y a Kawid qui stream, il y a Faror qui stream, Geek Loliette, et je crois que c'est à peu près tout, enfin, que je connais. Bah, il y en a peut-être deux, il y a un ou deux que j'ai pas pensé, mais... Ça fait longtemps, mais en gros... Putain, ouais, bien remis, Zoé, et toi, du coup, t'as pu dormir un petit peu ou pas? T'es censé avoir un mou, oh, je suis timide. Le problème. Alors, tous, regardez là-bas. C'est ouais. Bon, wesh, mon cul. Ah, j'en peux plus, faut que ça devienne un gif sur le Discord. Faut que ça devienne un gif sur le Discord. Est-ce que Benji, tu veux charger de cette mission? Comment il va, Balestan, là? Mais oui, mais en fait, il faut que tu cambres. On s'est trompé de live à bord de mission, tout le monde. Non. Bah oui, mais apprenez-moi à twerk, je sais pas, sinon on fait un... La vérité. Sinon on fait un stream... La vérité, c'est ça. C'est réel. Ah ouais, putain, il nous avait dit des dingueries, là. C'est comme ça, tu vois. Hop là, c'est ça. Oui, ah ouais, il y a Avaman et Simon Puech, Spartacus, c'est vrai. Mais j'avoue que j'y pense pas, parce que, bah...
Comme tu dis, c'est des très gros, mais oui, oui. Bip, bip. Bon, bah ouais, c'était. C'est un sacré moment, hein, ce passage twerk. Hein. Ah, vraiment, il. Ouais, ouais, ça restera dans les annales, moi je vous le dis, celui-là. Hein. Ah, putain. Pardon, excusez-moi, je. Et après, du coup. Ah, oui, putain, c'était. Attends, c'est là où je re à 7h ? Attends, mais elle est où la nuit là ? Bah, elle est où la nuit ? Bah, elle est où la nuit ? C'est là qu'on a parlé pendant 3000 ans ? Mais c'est pas jusqu'à 5h du matin, ça, si ? Ah, si, c'est jusqu'à 5h du matin. Ok, bon, bah, my bad alors. Si, c'est ça. Super. Et alors, caillou, du coup. Énervé ! Le caillou est tout doux. C'est un beau caillou. Merci beaucoup, hey, Mesmerde. Là, j'ai loupé un passage chez le barbier. Ah, bah, Mesmerde. Mesmerde, il y a eu plus qu'un passage chez le barbier là. Là c'était pour l'event. Il y avait un truc où je devais me raser la barbe. Voilà. On a laissé la stache mou quand même, c'est important. Comment il va, Mesmerde? Merci beaucoup pour le 22e mois d'abonnement. Je veux qu'il y ait un petit gif de moi qui twerk, je veux bien. Je pense que ça serait drôle comme ça. Ouais, je valide. Je me suis tapé un coma, je me suis réveillé à 14h le lendemain. Moi, je suis rentré. Moi, du coup, dimanche soir, je suis rentré. Il était minuit et demi. Le temps de me doucher et tout, machin. Il était 1h. J'ai pris dodo et après, ouais, j'ai dormi jusqu'à 14h, je crois. Ouais, pareil, ça. J'ai lâché, ouais, des grosses nuits quand même. Hein. Ah, je vous le dis, j'ai lâché des très, très, très grosses nuits de sommeil. Mais ça faisait du bien, donc maintenant, là, je suis OP. Je suis OP, je suis bien. Je suis en bonne forme. Coucou Nako, Mustachito aussi. Ça va et toi, Nako, ça a bien. Bien repris là du poil de la bête, tout ça. Donc là, on a une fire. Regardez, alors du coup, là. Alors là, ceci n'est pas un porte-manteau. Ceci, c'est Croze là, hein, d'accord. Donc là, c'est Croze. Et il y a moi. Parce qu'en fait, voilà, je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais du coup, voilà, là, en fait, du coup, je me suis dit, putain. En fait, j'arrivais pas à trouver un lieu pour m'installer. Et du coup, vous allez voir que j'ai vraiment dormi là, du coup. Voilà. Et en plus, je suis entre le E et le R. Ça, c'est pas beau, ça. Bon, j'ai re plutôt à 8h, mais au calme. Hein. Et du coup, là, voilà. Et là, on peut me voir. Là, je dors. Là, du coup, c'est. Là, je suis en train de dormir. Là du coup, je suis en train de dormir. Genre. Là, vous pouvez m'observer en train de dormir. Mais ouais, mais j'ai pas fait exprès. Attends, Attends, mais du coup, je suis reparti où, là? Ah, mais je me téléporte ou c'est comment, là? Il reste, là. Non, c'était pas... J'ai pas de doudou, en vrai. J'ai fait une... Bon, j'ai fait une micro-sieste. En fait, j'ai chill un peu de... Wouah! Avec ma pinte de café, là, super, hein. Super! J'étais vraiment on fire, là. Allô? Attendez, il y a. Attendez. Ah non, mais c'est quoi cette merde là? Pardon, comment ça il y a des arrêts sur image là sur des. Non mais attendez, c'est l'arrêt sur image! Non mais attendez, c'est l'arrêt sur image! Mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que j'ai. Pourquoi je. Ah, je vous ai fait un. Ah ouais, non mais je vous ai fait un gros doigt, hein. Ah, je vous le dis, je vous le dis. Ouais. Ah, et puis là, du coup, je me veux. Ça va, en vrai, la première game, en vrai, j'ai géré quand même. Hein. La première game, c'était pas mal en vrai. La première game, je me suis bien débrouillé. Après, je me suis fait arracher en légende. Hein. Non, vraiment, après, je me suis fait arracher en légende. Hein. Je suis désolé d'être vulgaire, les amis. Hein. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé, excusez-moi. Un peu beaucoup vulgaire là. Non, ça va, en vrai, là, je l'ai mis bien. Mais du coup, attendez, je voulais aussi vous montrer un autre truc. Hop. C'est sur cette VOD, là. Merde, putain, non, pas la pub. Arrêtez les pubs. Attends, je vais vous montrer sur cette VOD, là, parce que du coup, on me voit très bien dormir, en fait. Voilà. C'est là, regardez. En fait, on me voit super bien dormir. Voilà. Attends, est-ce que je peux pas? Y'a pas. Voilà, moi ma vieille gueule ici là.
Là, je, là, on me voit comme une merde. Là, on sent que je suis un peu au bout de ma vie, quoi. Là, j'étais en mode hibernation. Ouais, j'aurais peut-être dû sortir le Legendary Game & Watch, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Là, je suis en PLS. Là, vraiment, j'étais en full PLS. Mais bon, voilà. Du coup, après, qu'est-ce qu'il y a eu Putain, il y a eu mes phases de... Vous m'entendez bien, d'ailleurs? Voilà, et puis là je me tape ma petite bouffe là. Voilà, la pire game de League of Legends, vous l'épargne. Bon, là j'étais un peu en PLS. Putain, oh la PLS absolue là. C'est bon. 3 440 € sur notre canote. Mais ouais, c'est. Et 25 300 en tout, et c'est. Bah, c'est pas encore fini. Oh, c'est beau! Non, juste trop bien. Dark Maul Rogue Prime a gagné une LAN! Ouais. Il sait qu'on a gagné une LAN, c'est vrai, à l'époque! Hein. À l'époque! Personne m'a dit, t'inquiète, Besmer, mais ouais! Du coup, c'était event caritatif, en gros, c'était contre les VSS et le cyberharcèlement. Mais t'inquiète, y'a pas de soucis! Y'a pas de soucis, hein! Mais t'inquiète, y'a pas de soucis, de toute façon! Comment vous pouvez. Vous pouvez tout. C'est pas possible de tout suivre! Ce soir, même demain, ça va faire bizarre. Ça va faire un petit bah, tu vois, t'étais là, Oxy. Bon, Résultat 19,99 € pour une bonne cause. Blague souris. Merci. Et là où j'ai commencé. Allez, et là, j'ai commencé à. J'allais chialer, hein, voilà. J'allais chialer. Non, mais franchement, et puis là, ouais, c'était la fin. C'est juste avant de cut et tout. Là, on s'est tous applaudi. Là, c'était la fin. Encore, vous avez créé des légendes. Puis là on était presque aux 4000. Oh, les amis. Ah oui, attendez. Là regardez, c'est là où je... Assorti à ses petits tatouages, bon il t'en reste plus beaucoup. T'étais à combien sur ta cagnotte? 3850 €. Mais alors là en vrai j'étais alors vraiment là je vous le dis, j'étais super gêné parce que je déteste en vrai, enfin je sais pas si vous allez comprendre pourquoi du comment, mais genre je suis super gêné, tu sais, elle me dit t'es à combien dans ta cagnotte, tu sais, parce que je sais que bah vous avez pété ma cagnotte et du coup genre je déteste me dire, enfin mode j'ai la plus grosse quoi, tu sais, enfin je suis quelqu'un de très de très humble et très modeste, et c'est vrai que juste le fait de me dire hey, t'es à combien dans ta cagnotte, et qu'après franchement est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît. Et moi j'étais en mode ah ouais quand même, ok, c'était pas ouf. Coucou Blumeria, comment tu vas? Y'a pas de soucis. Merci encore une fois pour le raid. Hein. Vraiment, c'était. Et merci mille fois, c'était vraiment adorable. Hein. Rien à dire, merci beaucoup vraiment pour tout le soutien. Et j'espère que t'as passé un bon week-end en tout cas. Comme dirait Carré, j'ai des dons dans les yeux. 3 850 € à lui tout seul. Non, Applaudissez-vous, s'il vous plaît. Attendez, un applaudissement pour vous, tous les streamers de Pop. Bon, alors là, je me suis. Ok, là, je. Alors là, je sais pas, j'ai pété mon crâne, j'ai fait. Il reste une heure, je veux que vous donniez tout. Faites kiffer vos communs. Faites de cet événement un événement mémorable. Putain, ah, tu sais, j'ai des petits frissons encore en écoutant ça. Coucou, petite étoile, comment ça va? Voilà, des bisous. Oh putain, je suis vraiment un énorme sketch. J'étais en manque de chouf à ce moment. Non, parce que une chouf m'aurait mis à terre, je te le dis. Hein. Avec un bisou. Non mais là, entre... 3850 pour mettre de tous les streamers de Pop. S'il vous plaît, donnez tout. Il reste une heure. Je veux que vous donniez tout. Faites kiffer vos communs. Faites de cet événement un événement mémorable. Voilà, des bisous. Et j'ai envie de mourir, c'est quoi cette fin, frère? Voilà, des bisous. Oh putain, oh, il faut vraiment que j'en fasse un clip là de cette merde. Oh putain. Oh le... T'es où, je suis en... Ouais, tous les streamers de Pop, donnez tout, il reste une heure, je veux que vous fassiez de ce moment mémorable. Des bisous. Ah, coucou Guel, comment tu vas?
Je sors de l'ombre pour revenir sur un truc que t'as dit beaucoup plus tôt à la soirée. Non, t'es pas chelou à avoir installé une caméra pour suivre ton chat. En tout cas, ne te sens pas... Ah, let's go, on est ensemble. Mais tu sais que je dois regarder pendant l'event. Des moments... Parce que vraiment, c'est con, hein. Mais genre, partir loin de mon chat... Il y a des moments... Attendez, je vais aller voir où il est, mais... Partir loin de mon chat, je suis désolé, mais il y a des moments, c'est compliqué. Bah ouais, il m'a manqué. Non, mais il m'a manqué celui-ci là. Mais hop. Non, mais je vous assure que. Il m'a manqué là, cette petite boule de poil là. Là, ce petit monsieur là, hein. Hein, tu m'as manqué toi. Mais t'aurais dû venir pendant l'event. Hein. Je suis sûr que t'aurais kiffé l'event. Non? Et non, mais vraiment, je vous assure, il met oui le gros pépère. Oui. Ça pour le coup, oh le gros pépère, ça c'est. Oui. Mais en vrai, c'est un petit amour. C'est un petit amour et mais c'est vrai qu'en vrai il m'a manqué quand même. J'avoue que j'aurais bien aimé l'avoir avec moi un petit peu là. Qu'est-ce que t'as toi? Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux... Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que t'as? Voilà les croquettes, ça y est. C'est bon, le monsieur a faim. Mais en tout cas ouais. Coucou, oui, comment tu vas? Ouais, non mais là ça va, la voix est revenue, j'ai pris des médocs et tout. On va voir si et ça va du coup, Guel, bien rentré, bien reposé. J'ai vu que t'étais malade du coup, force. Comme beaucoup d'ailleurs. Et là du coup alors c'est quand je teste du coup l'électro stimulation ça c'est encore mignon pour l'instant. Donc là on va là c'était vraiment juste où ça te chatouillait le ventre. Mais j'ai l'impression que tu le vis bien, ça va? Ça va pour l'instant, ça va. Bah après en vrai juste franchement en règle générale, tu vois, ça va parce que juste tu restes moi je restais stoïque. Et en fait, si jamais tu contractes ton corps et que tu regardes genre un point, en vrai, c'est ce que j'ai essayé de faire, bah, en vrai, ça passait. Mais autrement, c'est relou, quoi. Pour l'instant, ça va, je suis pas le malin, parce que bon... Donc là, on est sur des... Disons que j'essaie de... T'as bien raison, petite étoile. T'as bien raison, prends soin de toi. Fais des choses qui te... font du bien. Ça va, mais bon... Et te rendent heureuse, c'est important. On est qu'à 8, mais j'avoue que là, bon, ça commence un peu à piquer, quoi. Là, t'as mis quoi, 9? Non, 8, toujours. Oh putain. Alors non mais ça c'est... Ah ouais putain. Oh la scène. Ouais pardon, excusez-moi, la scène c'est bon. Coucou Thermis, comment il va? Comment il va celui-là là? Comment il va ce turbo BG? Je suis rentré malade comme d'autres, ouais, j'espère. Oh, non, ouais, moi ça va. Moi j'ai un système immunitaire assez cool, donc ça va. Non, je vais bien. Pareil, il me manquait ces petits... Attends, t'as combien au duel? T'as combien de chats? T'en as 2? Putain, ouais, encore pire, hein. Double... Non, je comprends. Mais c'est pour ça que l'année prochaine, j'ai demandé, si jamais je le refais, je leur ai demandé, est-ce qu'on peut avoir un pet sitter pour Bob 5? Voilà. Sympa pour l'instant. Ouais, on est bien. On va te laisser un peu t'appréhender avant de remonter. 5 ouais. Non, j'aime pas, mais en gros, c'est ça fait... Il y en a, ça va, ça picote un petit peu. Il y en a, ça t'agresse un petit peu, ça te met un coup dans le... Ouais. Évidemment, c'est pas top, quoi. Mais... Là, Est-ce que du coup, tu te vois streamer dans ces conditions, par exemple? Ouais, j'avoue que non, tu vois. C'est... Bah, là, tu vois, même juste parler, juste pour chercher mes mots à l'aide, j'ai envie de... c'est trop compliqué. Mais... Ok. Donc, tu vois... Et elles vont au travail dans ces conditions. Et personnellement, il y en a certaines qui m'ont confié les avoir cette semaine. Hein. Donc du coup, il y en a qui ont leur menstru et qui sont là. En fait, c'est con, mais j'ai l'impression déjà qu'ils ne bougent pas et en fait, ça continue à monter. Quand tu disais, pardon, excuse-moi, je... Il y a des filles qui sont venues streamer, qui sont présentes ici, qui ont leur menstru et elles sont là, ça ne se voit pas. Respect. Elles se bloquent au mieux. Donc et en fait, dites-vous que j'étais tellement... En fait, ça me prenait tellement toute mon énergie qu'en fait, genre, j'ai des moments où j'écoutais un peu tout et à moitié, en fait, genre, trop compliqué. Mais attends, mais du coup, 5 chats? Mais comment... Waouh, c'est pas le bordel à la maison. Par contre, on rigole des bisous, mais t'as regardé la tête et le signe de la main que t'as fait. Attends, quoi? Attends, comment ça... Et je faisais quoi, Benji? Regarde ta tête à la fin. Ah, attendez, on va aller voir ça. Hop. Donc comment ça ma tête à la fin? J'avoue, j'ai pas vu. Applaudir s'il vous plaît, 3 850 €. Applaudissez-vous vous, s'il vous plaît. Attendez, un applaudissement pour vous. Tous les streamers. Merde, ça bug un peu, j'ai l'impression. S'il vous plaît, donnez tout. Il reste une heure. Je veux que vous donniez tout. Faites kiffer vos communes. Faites de cet événement un événement mémorable. Voilà, des bisous. On va voir s'il peut faire. Je vais... Ouais. Ouais.
Putain, ouais, non, c'est... Des bisous. Non mais c'est drôle, des bisous mon Jack, si y'a pas de sueur, repose-toi bien. Ouais, malade aussi, Thermis, mais tout le monde, vraiment tout le monde est tombé malade. Mais j'ai pas trop compris, après bah en vrai franchement, fallait peut-être s'y attendre, hein, parce que bon bah... bravo à vous toutes, je vous regarde mais on était tous un petit peu collés, etc. Bah, en vrai je tiens, tu vois, mais... c'est hardcore en termes de douleur. Mais je peux pas faire autre chose à côté, enfin c'est pas possible, tu vois, c'est juste théoriquement... Franchement, en vrai, c'était une chouette expérience. Franchement, de faire ça, j'avoue que en vrai, je vous ai dit bon, vas-y, faites des dons, comme ça, je le fais. Mais c'était vraiment une chouette expérience de faire ça, de juste de voir un petit peu, enfin, d'expérimenter, de voir un petit peu les douleurs que ça pouvait faire. Et c'est vrai que c'est toujours bien parce que ça permet, même si c'est pas non plus je pense la vraie douleur des choses, et puis même dans tous les cas ça restait juste 20 secondes à chaque palier, mais c'est bien parce que ça permet aussi de se mettre un petit peu à la place, donc non, je trouvais ça intéressant comme expérience. J'espère que tu regardes pas le chat de la rediff, on s'est pas du tout moqué de toi. Non, j'ai pas du tout regardé le chat. Ah ouais, vous foutez de ma gueule. Bah super, bravo. D'ailleurs ça va Thermis, vous êtes bien rentré dimanche soir? Ça a été enfin je sais pas si vous êtes parti quoi, en train peut-être. Oui, c'était jeune, ouais, là ça va mieux. Oui, je me doute. Ils se sont assagis avec les années, je suppose. Le dépisou est mémorable, mais c'est cool. En vrai, ça fait des petits trucs qu'on va garder en mémoire et des petites refs. En vrai, de vrai, sans les dons, tu l'aurais testé. Oui, oui, bien sûr que je l'aurais testé. Bien sûr que je serais allé le tester. Mais bon, si ça peut vous motiver à donner, forcément, moi je vous dis, je vous ai dit, bon allez, 3006 et j'y vais. En vrai, dans tous les cas, j'allais le faire. Mais non, franchement, je trouvais ça intéressant. Mais puis même en vrai, franchement, je vous conseille de le tester un jour parce que ça permet en fait de mieux comprendre les choses et bah ouais, de comprendre ouais que c'est les douleurs en vrai. Si tu ne fais rien, que tu respires, mais après tu restes contracté. Après, bon là, j'étais sur, ça a duré en tout une minute, donc pas comparable. Tu vois, sur une journée, ça doit être vraiment la galère. Mais au moins, tu peux comprendre ce que ça peut ressentir, etc. Pour avoir testé, du coup, c'est pas tout à fait pareil, c'est plus profond, mais l'intensité était là, oui. Ok. Donc ça va, donc... Non, mais c'était pour savoir, au moins, on sait que c'est à peu près... C'est pour ça, j'ai dit que c'est pas tout à fait pareil, mais à peu près, je pense, dans les grandes lignes. Donc au moins, comme ça, c'est... Je pense que c'est une bonne expérience à faire. Et ouais, non, franchement, on comprend un petit peu beaucoup mieux les choses. Bon, bah, de toute façon, comme vous l'avez vu, hein, j'arrivais même pas à parler. Hein. Enfin, genre, j'arrivais pas... En fait, tout mon corps, mon cerveau, etc. était focus sur les douleurs pour justement essayer de contracter et essayer de ressentir le moins possible. Du coup, en fait, j'arrivais pas à faire autre chose. Là, quand mon cerveau... Enfin, en fait, quand je parlais, c'était vraiment juste de... Je ne contrôlais pas ce que je disais. J'étais vraiment en mode autopilote. J'avais Yumea et Artemis en voiture. J'ai conduit 3 heures. Je me suis fait flasher 3 heures de route. Ah ouais, sérieux, merde. Putain. Mais genre flasher à beaucoup ou mais ça va niveau fatigue, t'étais bien quand même. Ouais, franchement, je vous conseille de le tester. Hein. Alors je sais pas où ça se trouve, etc. Hein, mais franchement, je vous conseille de le tester parce que c'est, bah en fait, je sais pas, je me suis couché moins bête, on va dire. En tout cas, force, ouais. Bah, j'espère que c'est pas une trop grosse. Mais ouais, je comprends. En vrai, t'as juste envie de rentrer chez toi, d'être au chaud et tout. C'est sûr que le Discord tenu avant l'appareil, tu pouvais pas faire la même avec, c'est ça. Mais je te demande, ah, let's go. Tu sais, je voyais bien, en plus, t'as les animateurs, ils te demandent, ah, alors tu peux plus rien faire. Hein. Mais je te demande, ah, non, pas trop. Voilà, donc c'est pour ça, en vrai. Mais bon, ça restait cool. C'était bon, bon délire. Enfin, le faire, ça restait quand même une belle expérience. Même si ça faisait mal, c'est quand même une belle expérience de comprendre les choses et de... Wilds. Merci Sora. 23,98. Les amis, on y est. Là, on était au bout là. Là, on le sentait. Là, j'avais plus rien là. Et là on était plus à rien. Là c'était vraiment là où je pense que j'ai tout lâché.
21€, ça Winnie de 74, les 4000 balles. Oui, les 4000 balles. Et c'est là où je commence à chialer. Et là, c'est bon. Et là, vous voyez, j'ai les yeux un petit peu trempés là. Là, bon, alors merde, y a pas les. Oh non, fait chier. Voilà. Et c'est là. Et c'est bon. Heureusement qu'on m'entend pas. Hein. Heureusement, et là, c'est Jonathan, le GOAT, le responsable de l'event. Mais là, là dites-vous, j'étais. Ah, j'étais fini, j'en pouvais, enfin j'étais mort de chez mort. Mais c'est le bourreau Thermis qui était là, vraiment un amour aussi. Ah, c'est bon, j'ai pas, y a pas parce que ça a été cut, je pense, par rapport au droit d'auteur et tout, mais vas-y. De 5 km, c'est 90, j'étais flashé. Et le flat, et à la fin de la pente, du coup, tu prends plus de vitesse. Ah, fais chier. Putain, bon, après, ça, c'est pas plus, ça t'a pas retiré, enfin, tu sais, ça t'a pas enlevé ton permis ou tout machin, mais j'avoue, quoi, ça fait chier, quoi. Bah force, mais ça va, comme vous êtes bien rentré, tu t'es bien reposé aussi, ça va mieux. Je peux plus rester, suivre l'événement, il y a pas de souci, t'inquiète, petite étoile. Bah il y en aura d'autres, hein, mais après bon, c'est que ça c'est mouvant, on mettrait les rediffs sur YouTube. Mais là ouais, j'étais au bout, j'étais en train de là je chialais là, il y avait plus rien, là, j'ai ouvert les comment on peut appeler ça, bref, vous avez compris, les vannes, et c'était fou. Ouais. Good Dan, comment ça va? Ça va bien, tu pètes la forme, tout ça, mais ouais, là ça va mieux, on va dire que l'énergie est revenue, le rythme ça va, on arrive à le reprendre aussi un petit peu, et non, bon, ça m'a fait du bien, mais c'était vraiment vraiment très très fort en émotion, de long en large. Bravo. Vraiment de long en large, c'était vraiment ultra ultra fort en émotion, c'était ouf. C'était ouf, mais en même temps compliqué. Et là, bah après, c'était la fin, quoi. C'était la fin. Et là, c'est... Là, je vous assure qu'on n'était pas bien, là. Là, dès qu'on a mis toutes les scènes de off, là, on était pas bien, là. Puis après, vous qui spammiez fier d'être un caillou, moi, je te vois de... Putain, mais les gars... Non mais voilà, c'était juste fou en fait, genre vous avez tout pété, vous avez tout explosé, du coup juste merci à vous et bravo à vous, bravo pour tout ce que vous avez fait et vous avez juste géré. Donc, du coup je vous remets le Streamlabs Charity, attends je vous le remontre, hop. Pour une petite dernière là, pour flex un petit peu, mais c'était incroyable. Yable, vraiment c'était fou. En fait de A à Z c'était fou parce que bah on était tous ensemble les uns les autres, on était ça gueulait. Bon, il y avait moi qui gueulais comme un connard, mais bref, j'ai dû faire chier tout le monde, mais vas-y, c'est pas grave. J'ai enfin voilà, c'était un tout qui a fait que on était tous ensemble unis pour la bonne cause, on a passé un bon moment, on s'est bien amusé, parce que outre ça aussi bah on a passé un voilà, j'ai rencontré des belles personnes, même si j'ai pas eu le temps de discuter avec tout le monde machin, etc. C'était vraiment genre insane, genre vous avez juste tout cassé. Donc, enfin, laissez tomber, quoi. C'était insane. Hein. Merci beaucoup, Dan. Mais ouais, j'ai vraiment tout donné. Et puis, c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause, parce qu'on parle des VSS. Et bon, après, c'est par rapport à tout le monde. Hein. C'est par rapport à... Bah, c'est vrai que bah, on parlait en majorité des femmes, parce que forcément, ça représente ça représente du coup, le plus gros pourcentage, et c'est important. Mais aussi, bien sûr, ça reste aussi en règle générale. Hein. Et puis aussi le cyberharcèlement, hein, qui touche beaucoup personne en ce moment. Là, ça casse les couilles, frère. C'est bon, on banalise trop le harcèlement. C'est bon, voilà. Donc, c'est important de se la donner pour ce genre de cause. Voilà, et du coup globalement ok, oui, parce que tu m'avais dit parce que du coup t'étais à quoi, ouais, 3 heures de route en vrai, ça va, mais c'est vrai que nous c'était compliqué, nous on avait quoi, on avait 4 heures je crois, 30, et c'est vrai que heureusement que Croze underscore officiel était là, le big pilote. J'ai pas le moment des 4K, je reviens, je crie 4K en chat et j'ai pleuré après. Mais de malade, bah comme beaucoup je pense, Oxy. Mais normalement en vrai c'est ce genre d'événement, ce genre de moment où c'est rempli d'émotions, où tu te rends, en fait c'est un peu comme si tu te remplissais d'émotions,
Tu vois, t'étais un verre qui se remplissait d'émotions. Et après, en fait, à un moment, t'arrives à débordement, quoi. Et c'est ça. Mais voilà, genre, juste, c'était genre, ouf, vous avez pété les cagnottes avec, avec Toto, le boss, son mot qui m'a fait archi plaisir. Avec aussi Polylène, là aussi, qui a lâché son petit top 10. Non, franchement, c'était juste fou. Vraiment, genre, insane. C'était vraiment incroyable. Genre, big up à tout le monde parce que, bah. L'event était en lui-même était incroyable, tout le monde s'est donné à fond et voilà. Donc juste big up à vous. Du coup 4000, alors 4019, moi je m'étais arrêté sur 4016 mais vas-y, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave.